contrôle, vous avez su les mettre à la faute et profiter de leur indiscipline? Oui, on les a mis à la faute. Mais mine de rien, on prend. Il y a 31, on met 31, on gagne 31-18. Il y a un essai transformé, puis après derrière c'est que des pénalités. Mais pour avoir des pénalités et en mettre autant, il a bien fallu les provoquer. Donc on a réussi à mettre du, à envoyer du jeu, à mettre, à envoyer du jeu au large, à envoyer du jeu au près. Après on a pêché un peu ce soir quand même dans la finition. On a voulu, je pense, aller trop vite. On a mal assuré la dernière passe et ça aurait pu se retourner contre nous si on pompait un peu plus au large à 5 minutes de la fin. Mais ce soir, on va savourer. On a gagné 31-18. Voilà, c'est 4 points de plus. C'est une équipe qui est éliminée de la course au mondial maintenant. Mathématiquement, non. Tant que rien n'est fait, on peut pas dire ça. Après, c'est une équipe qui a vraiment de belles qualités, qui a un beau jeu. Un match amical en début de saison, on avait pris plus de 30 points, si j'ai bonne mémoire. Même si au match aller, on gagnait avec le bonus offensif, ce soir, ils nous ont inquiétés, ils ont envoyé du jeu. Ils ont de très grosses individualités, donc ça aurait pu nous coûter cher. Donc, malheureusement pour eux, le rugby est tel qu'il faut souvent un vainqueur et un perdant, et des fois un match nul. Mais voilà, pour eux, je pense que leur fin de saison va être dure. Je connais pas leur calendrier, mais avec le retard qu'ils ont pris, maintenant, ça va être un peu plus compromis. Qu'est-ce qu'il a manqué pour que vous rendre le match plus facile? Souvent, il a manqué de la continuité dans votre jeu. C'était ça le problème ce soir? Ben, qu'est-ce qui nous a manqué? Il nous a manqué la finition, la dernière passe. J'ai en tête deux, trois passes où on arrive à 10 mètres de leur ligne, on fait une super action, on envoie le ballon au large, on sort d'une touche, bam, en avant. On se relève d'une mêlée, on envoie au large, boum, en avant. On arrive à 10 mètres de leur ligne, on perce, on veut sortir vite en avant. Voilà, je pense que c'est plein de petites maladresses qui ont fait qu'on s'est rendu le match compliqué et qu'on aurait pu inscrire plus d'essais.